Le 22 avril, là, on a besoin d'un printemps où les gens manifestent, où les gens se réveillent et puis témoignent physiquement et en gestes. On a des mains, on a un esprit, on a des forces. Il faut les utiliser de façon positive et vivante pour, en fonction de l'avenir. Parce qu'il ne faut pas uniquement répondre aux besoins des humains, il faut répondre aux besoins de l'ensemble, de tout ce qui existe dans le monde pour que la vie puisse continuer à long terme. Nous ne sommes pas la dernière génération. Tout ce qu'on voit dans la façon d'agir des gens, c'est comme si on était les derniers. Mais il faut se dépêcher vite de ramasser tout. Puis après nous, le déluge. Le 22 avril, c'est une démonstration qui, j'espère, va réveiller tous les gens qui ont le pouvoir de prendre des décisions et d'organiser l'avenir de ce peuple, de ce pays.